Ouais, bah bonjour, je m'appelle Patrice Ringuer. J'habite le secteur de Péronne dans la Somme. Je travaille pour l'entreprise Merlier-Lequette à Grévillers, sur le secteur de Bapaume, qui a investi dans un agrifac il y a 4 mois. L'agrifac a déjà 7200 hectares pour 870 heures. Et sinon, ce pulvée a été acheté surtout principalement pour traiter tout ce qui est oignons, échalotes, bulbilles. C'est pour ça qu'il y a la rampe Airflow. C'est vrai que c'est très pratique, surtout en ce moment. On a eu une semaine, 15 jours venteuse. Et comme on fait beaucoup de produits de contact, tout ça sur oignons, échalotes, on doit passer régulièrement. Tous les 15-20 mm, on doit repasser. Et avec le système Airflow, ça pénètre bien dans la culture, ça évite beaucoup de dérives. Et ce qui est bien aussi que j'ai remarqué, c'est qu'on a il y a l'inclinaison de la rampe avant-arrière. Moi j'appelle ça pour contrarier le vent. Si on a le vent de face, je le mets devant, comme ça me permet que le jet il rentre bien dans la feuille. Il faut varier suivant le sens qu'on fonctionne, mais ça marche très bien. Voilà quoi. Sinon, son secteur d'activité, c'est surtout oignons et échalotes. Et aussi après, personnellement pour Monsieur Merlier, sur l'entreprise, blé, betterave, épinards, voilà. Et sinon, son rayon d'activité, on va dire, il est sur 40 km, fait beaucoup de route. C'est pour ça que le choix s'est fait aussi, je pense, sur l'agrifac, le Condor, pour ses déplacements, qui est agréable, quoi, je veux dire, vitesse et puis confort cabine. Et sinon, c'est vrai que c'est un pulvée facile de prise en main. Les écrans tactiles sont conviviales, je veux dire, c'est facile. Tout est bien expliqué. La circulation continue, c'est extrêmement bien. Sinon, point de vue utilisation du pulvée par rapport à ce que j'ai connu, rien que le système de remplissage, on lui met la valeur qu'on veut en cuve. Au bac d'incorporation, on appuie sur un bouton, il s'arrête automatiquement. Après, pour tout ce qui est rinçage, on fait de la cabine, on peut mettre sa cuve de rinçage, il n'y a pas de vanne à tourner, tout se gère automatiquement avec le boîtier, quoi. Très pratique d'utilisation, quoi.